Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un make-up que vous pouvez utiliser pour aller au travail, à la fac, en cours, un truc très léger, un make-up simple pour le jour quoi. Bon, en vrai, tu peux le réaliser quand tu veux ce make-up, hein. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par m'appliquer ma base et pour une journée de taf, je mets la meilleure des bases pour faire tenir le make-up. L'hydrogrip de chez Milk Makeup. Sur tout l'ensemble de mon visage, hein, bien évidemment. Une fois la base appliquée et figée, c'est-à-dire qu'on a plus cet effet collant, on peut maintenant passer au produit teint et je vais prendre celui de chez Rare Beauty, le Positive Light, qui est un soin hydratant teinté avec un SPF 20 à l'intérieur. Et même si dans pas longtemps ça va être l'automne et l'hiver, toujours du SPF dans votre soin et dans votre make-up. Moi je travaille dans un gratte-ciel avec des vitres partout, c'est-à-dire que dès qu'il y a un rayon de soleil, même au mois de décembre, c'est un solarium. Et les effets néfastes, ils sont là quand même, hein. Et je l'applique directement sur mon éponge. Et ensuite sur ma face. C'est une couvrance extrêmement légère, hein. Mais qui dit légère dit bouge moins. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve, hein. Quand c'est plus couvrant, ça a plus tendance à bouger. Et si vous avez des petites imperfections, ben, vous les retouchez avec un correcteur. Et c'est très très bien. Je mets ensuite un premier coup de brume de la 4 en 1 de chez Rare Beauty. Parce que j'ai pas envie de rajouter de matière, mais j'ai envie de re-bien positionner, de re-bien étirer, on va dire, mon produit. Du coup, je vais le réhumidifier avec cette brume, qui est géniale. Et qui illumine en plus par-dessus le marché, hein. Et on retravaille. En plus, ça hydrate en même temps, c'est très très bien. Voilà, là il est très bien étiré et bien positionné. Ah, je suis trop con, je voulais mettre la CC Blur avant. On fait chier. Bon, j'utiliserai dans une autre de mes vidéos, mais en tout cas, je l'ai fait dans une autre de mes vidéos. Je vous la mettrai juste ici. Voilà. C'est un très bon produit, ça, en base. On passe maintenant à l'anti-cerne. Si je fais anti-cerne, c'est parce qu'on va juste le poser. Tout simplement, on va pas vraiment l'appliquer. Je vais prendre celui de chez Huda Beauty, que j'aime beaucoup, qui est waterproof et qui est très très bien, qui a un bon rendu, qui tient parfaitement, j'aime beaucoup. Donc, on va juste le positionner là. Et on revient plus tard. En instant, je m'applique un blush liquide de chez Made by Mitchell en teinte Sweet Cheeks. J'en mets sur le dos de ma main, comme ça. Je prends mon éponge du côté propre, je prélève et je dispose. Je prends mon miroir pour bien voir. On peut bien remonter parce qu'on n'a pas encore appliqué l'anti-cerne. Donc moi, je vais essayer de le positionner le plus haut possible pour que ça ait un rendu assez naturel. Pour bien me repérer, pour bien me positionner, je me base en fonction de l'os de ma joue, de ma pommette. La même chose de l'autre côté, hein. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez. Et je reprends mon éponge du côté teint et maintenant on va pouvoir travailler l'anti-cerne et le diffuser, corriger les imperfections si vous en avez, même si avoir des imperfections c'est ok, hein. D'ailleurs, je vais vous rapprocher depuis tout à l'heure, vous êtes trop loin. Je pense que là c'est bon pour vous, vous verrez beaucoup mieux. Je reprends mon côté avec le blush, enfin ce qui reste dedans. Dessus, plutôt, pardon. Pour retravailler. On a l'impression que c'est long, mais ça prend 5 secondes, hein. Franchement, si vous avez une éponge comme celle-là avec plusieurs côtés, mon Dieu, vous pouvez tout faire avec. Maintenant que j'ai terminé avec les textures liquides, je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Rare Beauty. J'ai hésité entre celle-ci et celle de Kylie Cosmetics, mais je vais l'utiliser dans une autre vidéo, dans la prochaine. C'est deux poudres que j'ai vraiment beaucoup aimées cette année. Donc j'en mets dans son petit pot, avec ma houppette, je prélève, je tape sur le côté de ma main pour déposer la matière, pour pas que ça fasse trop de baking là. Et on poudre le dessous des yeux pour commencer, pour éviter que l'anti-cerne bouge. Parce que cet anti-cerne, il est bien, mais si vous le poudrez pas directement, il bouge direct, hein. De toute façon, l'anti-cerne, ça se poudre, hein, vous savez, enfin, j'espère. Moi, pendant longtemps, je ne savais pas. Hein. On remonte bien sur les côtés. Je
D'ailleurs, ma teinte de la poudre, c'est light medium. Hein. Je ne l'ai pas mentionné, pardon. Je poudre maintenant le reste de mon teint avec un pinceau poudre. Une fois que c'est poudré, je remets un coup de la brume Rare Beauty. Voilà, comme ça au moins ça a pu tout bien fondre, tout bien compacter. Je ne sais pas comment expliquer, mais si je humidifie pas une fois que j'ai poudré, je sais pas. J'ai l'impression que ça n'a pas le même rendu. Maintenant, on peut passer au bronzer poudre. Je vais prendre celui de chez Kylie by Kylie Jenner en teinte Toasty. Je prélève, je tapote pour éviter d'avoir des grosses traces compactes. Et je mets un petit peu sur mes joues, enfin dans le creux de mes joues. Le haut de mon front, bon, même si avec cette coiffure-là, on ne le verra pas trop, mais bon, on fait quand même, hein, on ne sait jamais. L'ovale du visage. C'est un très bon bronzer, hein, d'ailleurs, celui de chez Kylie Cosmetics. À ce stade-là, pour raviver le rose bonbon que j'ai mis avec le blush liquide Made by Mitchell, je vais prendre un blush de la palette Fais-moi rougir de chez Martine Cosmetics. Et je vais prendre la teinte Paula, qui est un magnifique rose bonbon. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu mets un blush liquide pour mettre après un blush poudre? Eh ben, parce que quand tu fais 8 heures ou des grosses journées de fac, d'école ou de boulot, ton blush, s'il tient pas, pour moi, c'est l'ingrédient important pour prouver que t'as bonne mine. Donc, si ton blush, il part au bout de 3 heures, ça fait chier. Du coup, avec le blush liquide et le blush poudre, il tient plus longtemps. Et du coup, tu peux avoir meilleure mine pendant plus longtemps. Je prends avec un pinceau très précis, hein. Celui-là, c'est pour highlighter, hein, de chez Sephora. Je prends la teinte Paula. Je tapote un petit peu quand même. Et on le positionne là où on a mis du blush liquide. Enfin, là où j'ai mis du blush liquide, pardon. Je reprends mon pinceau poudre avec lequel j'ai poudré mon teint et on diffuse. Je replonge pas mon pinceau, hein. J'en mets juste un petit peu sur le bout de mon nez. Pour l'highlighter, je vais prendre une palette d'highlighter pareil de chez Martine Cosmetics qui est Éblouis Moi, qui est une très très belle palette d'highlighter, vraiment. Je vais prendre la teinte Audrey avec un pinceau highlighter. Un petit peu le bout du nez, le centre du nez. Le pinceau poudre pour estomper et bien unifier. Et maintenant, je mets un spray fixateur vraiment pour fixer tout mon teint, celui de chez Sephora Collection, qui est génialissime pour le prix. C'est tenu 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité avec de l'extrait de ginseng. On passe maintenant aux sourcils, quelque chose de très rapide, efficace, qui tient et qui ne bouge pas, le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Très rapide et très précis, avec le Kybrow qui est le gel à sourcils de chez Kylie by Kylie Jenner. Je commence par brosser mes sourcils avec le goupillon qu'il y a dans le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Enlever tous les résidus de poudre et tout ça. Et ensuite, avec sa mine précise, je vais pouvoir retracer mes sourcils et redéfinir. J'estompe avec le goupillon. Et je fixe avec le gel à sourcils. Voilà, moi je les brosse vers le haut, j'aime très bien. On passe aux yeux. Pour les yeux, on va rester chez Kylie Cosmetics, enfin Kylie by Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, je sais même plus comment ça s'appelle, mais bon, vous avez compris, avec une des dernières palettes qu'elle a sorties, la palette Mauve. Donc qui est dans les tons marron, mauve. C'est une très bonne palette, mais bon, vous verrez si vous voulez, je vous mets ma vidéo Kylie Cosmetics, elle m'en a fait chier celle-là. Mais j'ai quand même envie de la retester. Là, on va faire quelque chose de très rapide et de très léger, entre guillemets. Je vais commencer avec cette teinte-ci. Avec un pinceau assez large et assez souple. Je vais positionner au-dessus de mon pli de paupière pour créer un peu plus d'ombre, on va dire, à mon creux des yeux, creux de paupière.
J'accentue un petit peu plus au coin externe. Et je l'étire vers l'intérieur. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre cette teinte-ci que je dispose au coin externe de ma paupière, que je remonte dans mon creux. Je reprends mon pinceau avec cette teinte-ci. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un pinceau plus précis, mais bon, c'est juste pour fumer, hein, donc je pense pas que vous puissiez faire de grosses bêtises. Et je l'applique sur tout mon ras de cils inférieur en faisant rejoindre ce qu'on a fait en haut, hein. Je fais pareil avec cette teinte, mais uniquement au coin externe de mon ras de cils inférieur. Et maintenant, au doigt, je vais prendre cette teinte-ci que je vais appliquer sur ma paupière mobile, principalement au coin interne et au milieu. Je reprends mon pinceau et je replonge légèrement dans cette teinte-ci pour dégrader au coin externe et remonter dans le petit paupière pour donner un coup de propre. On peut rajouter de l'intensité au coin interne si vous le désirez. Moi, comme ça me va parfaitement. Je vais juste reprendre mon pinceau avec la première teinte que j'ai appliquée, juste voilà, pour donner un petit coup de propre, pareil au coin interne. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. C'est hyper rapide, hein. Il n'y a rien de ouf. En muqueuse du haut, je vais mettre un crayon bronze, marron bronze, ouais, on peut dire ça comme ça, qui vient de chez Primark, qui est très très bien d'ailleurs. Donc je le mets dans la muqueuse du haut, entre les cils. Et pour ma muqueuse du bas, je vais prendre pareil un crayon de chez Primark, mais couleur crème, pour agrandir mon regard. Souvent, hein, on va pas se mytho, on est un peu crevé hein, quand on arrive au bureau. Enfin, bon, en tout cas, oui. Hein. C'est très léger, hein, contrairement au crayon blanc ou au crayon beige. Là, c'est nacré. Donc ça juste illumine le regard, ça l'agrandit un tout petit peu, sans faire trop. Pour le mascara, je vais mettre un de chez Martine Cosmetics, le Bombastic. On passe aux lèvres et pour les lèvres, je vais commencer avec un lip liner de chez Essence qui est waterproof et qui tient vraiment super bien. Même pour démaquiller, c'est vraiment, il bouge pas le bordel. Hein. Donc je trace mon contour de lèvres. Une fois que j'ai tracé mes lèvres, je remplis, enfin je le dégrade un petit peu. Et maintenant, je vais appliquer une huile à lèvres de chez Dior. Vous pouvez prendre celle que vous voulez si vous en avez une chez vous. Celle-ci, c'est la Lip Glow Oil en teinte 015 Chérie, qui hydrate super bien les lèvres. Je voulais tester celle de chez Fenty, mais elle est en rupture. Tout le temps impossible à la commander ou à l'acheter. Je remets un coup de fixateur parce qu'on n'en a jamais assez quand on part de la maison le matin. On ne sait pas à quelle heure on va rentrer, surtout si vous êtes en région parisienne avec les problèmes de transport. Et bien voilà, on a terminé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, il n'y avait rien de compliqué, c'est très facile et je trouve que ça fait son effet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat final et de cette vidéo, de ce look. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mentionner dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais également à activer la cloche de notification pour être au courant des streams que je fais tous les vendredis à 21h sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao. What it takes.